Bonjour, Marc Aladef, je suis ambassadeur Sony pour la Belgique et responsable du Sony Alpha Block où j'ai testé plusieurs centaines d'objectifs pour la monture Sony E. Aujourd'hui, je vais vous parler du A7R5, quelles sont les principales différences par rapport au A7R4 mais également par rapport au A7IV. Donc, si vous hésitez à faire l'upgrade par rapport au A7R4 ou que vous hésitez entre le A7IV et le A7R5, on vous expliquera toutes les différences. Le A7R5 partage avec le A7IV toute une série de fonctionnalités et de points d'ergonomie communes. Pour la vidéo, il a la stabilisation active, la compensation du focus breathing, le focus map, mais également la fonctionnalité de USB streaming qui permet d'utiliser votre caméra comme une webcam de très haute qualité. Une amélioration ergonomique importante est la molette qui permet de switcher entre le mode photo, vidéo et slow and quick. Autre fonctionnalité qui est très utile lors du changement d'objectif est la protection du capteur. Le viseur du A7R5 est également fortement amélioré. Le A7R5 dispose également des nouveaux menus avec fonctionnalité tactile. En mode visualisation des photos, il se pilote comme un smartphone, ce qui est beaucoup plus pratique. Le A7R5 hérite également de fonctionnalités du A1. La première, le viseur de 9 millions de pixels qui offre un confort de visée excellent. Le second point est le support des CF Express A qui permet d'avoir des rafales infinies. Le A7IV dispose d'un slot pour CF Express A tandis que le A1 disposait de deux slots pour le CF Express A et le A7R5 a donc deux slots CF Express A. Les CF Express A sont légèrement plus petites, mais bien plus rigides que les SD cartes. Par rapport aux meilleures SD cartes qui atteignaient les 300 mégas par seconde, les CF Express A atteignent les 700 mégas par seconde. Et donc, pour supporter 10 images par seconde à 60 millions de pixels, la CF Express A permet une rafale illimitée. Faisons donc un essai de rafale avec la CF Express A et voyons la vitesse à laquelle le buffer se vide. Certaines choses ne changent pas par rapport au A7R4. Par exemple, le capteur de 61 millions de pixels qui est déjà largement suffisant pour tous les usages. La rafale à 10 images par seconde. Si on veut mieux, il faut voir un boîtier plus sportif comme le A1. Et le rolling shutter. Si on veut un rolling shutter bien inférieur, il faudra donc se diriger plutôt vers le A1. Parlons maintenant des nouveautés spécifiques au A7R5. La première, l'écran orientable. Avec le A7R5, on inaugure un écran qui peut pivoter dans toutes les directions. De manière classique, un peu en mode vidéo pour du vlog ou de la vidéo simple, ce qui permet également de faire des cadrages à la verticale avec beaucoup de confort. La stabilisation du capteur a également été fortement améliorée avec le A7R5.
on est maintenant sur 8 stops au lieu de 5 stops, ce qui permet d'avoir un effet proche du rendu d'une gimbal. Une des nouveautés les plus importantes est le bracketing de mise au point, qui permet la technique de focus stacking. Qu'est-ce que c'est que cette technique? Elle permet de faire toute une série de photos avec un léger décalage de mise au point, qui permet, surtout en macro, d'empiler différentes photos et d'avoir une nettement plus grande profondeur de champ. Voyons un exemple que j'ai réalisé avec un objectif macro. Le menu permet de régler la quantité de photos à prendre, la grandeur du pas, et il suffit d'appuyer sur le bouton pour que l'appareil prenne toute la série de photos programmées. Regardons la vidéo. Comme vous pouvez le voir, les résultats sont assez spectaculaires. Faire la même chose à la main aurait pris une heure ou, et c'est ce que je faisais d'habitude, j'aurais utilisé un rail macro comme celui-ci qui est assez lourd et difficile à mettre en œuvre, en tout cas sur le terrain. Avec ces nouvelles fonctionnalités, les possibilités en macro sont démultipliées. Parlons maintenant du nouvel AF. Le A7R5 introduit un nouveau type d'AF basé notamment sur l'intelligence artificielle qui améliore grandement les reconnaissances de toute une série de sujets par rapport à tous les autres modèles existants. En plus des classiques reconnaissances des humains, des oiseaux et des animaux, on rajoute maintenant la reconnaissance des insectes, des avions, des trains. L'intelligence artificielle permet de reconnaître le corps, puis la tête et puis les yeux. Et donc, dès que le boîtier reconnaît une forme, il commence à faire le tracking et donc on a une acquisition du sujet beaucoup plus rapide. Par rapport au boîtier précédent, où on avait parfois des difficultés à faire la mise au point quand un insecte était derrière une fleur ou un oiseau était entre deux branches, etc. Ici, on a une reconnaissance parfaite et même si votre oiseau est parmi des branchages dans un arbre, il sera reconnu. Même chose avec un animal de dos, il sera reconnu d'abord la forme globale, puis le boîtier reconnaîtra la tête et dès que les yeux seront visibles, la mise au point se fera sous les yeux. Tout ça de manière automatique et progressive. Une nouvelle fonctionnalité méconnue dans le A7R5 est la permutation des sujets reconnus. Donc, si vous photographiez une série de 2-3 personnes avec une zone large, vous verrez 3 cadres apparaître. Mais potentiellement, le visage qui sera pris en mise au point, le visage par exemple central, n'est pas celui que vous voulez. Avec le joystick, il y a moyen, dans ce mode-là, de permuter gauche-droite pour passer d'un sujet reconnu à l'autre. Donc, au lieu d'utiliser un spot flexi small pour forcer le sujet à reconnaître, en mode large, maintenant, on peut, juste avec le joystick, passer très facilement d'un sujet à l'autre. Dans le menu F, on trouvera de très nombreuses options pour l'autofocus AI, certaines étant particulières pour les oiseaux et les animaux, d'autres pour les avions et d'autres pour les humains. La reconnaissance pour les humains a également été fortement améliorée. Même si vous portez un chapeau, des lunettes de soleil ou un casque, par exemple en moto, l'AF va reconnaître le visage et va placer les yeux, même si les yeux ne sont pas visibles. Sur ce menu de reconnaissance des sujets, vous voyez les options qui sont uniquement disponibles pour les humains, celles pour les animaux, celles pour les avions et les insectes. Paradoxalement, les réglages pour les humains sont les moins nombreux. Le A7R5 dispose pour la première fois d'un mode combiné animaux, oiseaux, qui permet donc automatiquement de reconnaître l'un ou l'autre. Il y a moyen de forcer, ça peut arriver, d'avoir un oiseau sur un zèbre par exemple, et de dire quelle est la priorité qu'il doit prendre. Est-ce que, quand il voit les deux, est-ce que c'est l'oiseau qui a la priorité ou est-ce que c'est plutôt l'animal? Ou le laisser en mode automatique. Premier réglage, le tracking shift range. Qu'est-ce que c'est?
Si on a fait la mise au point, par exemple, sur un vélo avec un spot flexible small, mais qu'il n'a pas encore reconnu le visage puisqu'il est centré sur le vélo, il y a moyen avec cette fonction de déterminer s'il doit situer automatiquement sur un sujet reconnu dans une certaine zone. Et donc, on peut régler la sensibilité qu'il ne switch sur le sujet reconnu que s'il est très près ou si le sujet, même s'il est très éloigné du point de focus, il va quand même switcher dès qu'il y a un sujet reconnu. Cela peut être très utile, par exemple en photo de rue, si finalement on veut photographier une enseigne, quelque chose, qui n'aille pas switcher automatiquement sur un passant, il faudra donc diminuer cette valeur. Si par contre on veut qu'il prenne un sujet humain ou un animal dès qu'il en trouve un dans le cadre, il faudra élargir la zone. Le second réglage est le Tracking Persistence Level, qui permet de définir à quel point l'AF va rester sur le sujet qu'il a commencé à prendre en chasse. Ici, petite différence avec les anciens appareils, le niveau 5 est le niveau le plus sticky, le plus persistant, alors que dans les réglages généraux, AF, qu'on retrouve encore dans le menu, c'était le réglage 1 qui était le réglage le plus persistant, locked on. Donc ce réglage-là, si utilisé, override les réglages de base. Et donc 5 permettra de suivre votre sujet en permanence. Quand utiliser le Tracking Persistence Level au niveau 1 ou 5? On utilisera le mode 5 et donc le mode très persistant quand on veut vraiment suivre un sujet et ne pas permuter d'un sujet à l'autre. Par exemple, vous voulez photographier votre enfant parmi une foule, on veut toujours que ce soit cet enfant-là et pas un autre. Par contre, on utilisera le level 1 où il permute automatiquement. Par exemple, si l'on photographie un troupeau de chevaux, ce qui nous importe, c'est de photographier la masse et pas un cheval en particulier. Et donc, selon vos besoins, passez du niveau 1, 3 ou 5, selon la scène que vous avez à photographier. Troisième réglage, la sensibilité de reconnaissance. L'AI fonctionne très bien, mais peut être imparfaite, et donc on peut régler le niveau avec lequel l'AI reconnaît ou non un sujet. Si on le règle sur le niveau le plus faible, l'AI devra être sûr d'avoir reconnu le type de sujet pour vraiment faire la mise au point. Si on le met sur le niveau le plus élevé, dès qu'il croit voir un sujet du type de celui que vous avez sélectionné, donc dès qu'il croit voir un oiseau, il va commencer à faire la mise au point, quitte à se tromper de sujet. Donc, fonctionnalité à essayer et à régler selon votre pratique. Quatrième réglage, le réglage de quelle partie du corps utiliser pour la reconnaissance. Par défaut, elle est sur le corps, la tête et les yeux. Mais il y a moyen, par exemple, de ne le forcer à n'utiliser que les yeux pour la reconnaissance ou que la tête et les yeux. Ma recommandation est d'utiliser la valeur par défaut qui offre le plus de flexibilité et le plus de performance. Voilà pour les réglages disponibles dans le menu. Ces réglages fonctionnent très bien et donnent d'excellentes performances, mais tout n'est jamais parfait. Parfois, dans des situations très particulières, la reconnaissance peut trop reconnaître et ce n'est pas ce que vous voulez, si finalement vous voulez plutôt prendre un objet en particulier, etc. Et donc, si c'est votre cas, je vous recommande d'assigner un bouton à paramétrer pour désactiver la reconnaissance et repasser sur une reconnaissance purement basée sur le spot flexible small. Et donc, ça permet soit d'activer l'ensemble des fonctionnalités AI, soit de les désactiver si on veut faire une mise au point très particulière sans utiliser du tout la reconnaissance.
petite amélioration ergonomique, la possibilité d'appeler le menu FN avec un swipe up. Et voilà, et d'utiliser donc de manière tactile. Une nouveauté introduite par le A7R 5 est la fonctionnalité de DMF permanent, Direct Manual Focus. Donc, cette fonctionnalité n'existait auparavant que sur des objectifs très haut de gamme comme le 400 mm 2.8. Elle est maintenant disponible pour tous les objectifs grâce à une nouvelle fonctionnalité du A7R 5. Si vous faites une mise au point, on pourra directement retoucher le point en tournant la bague de mise au point sans devoir repasser en mode MF. Une fonctionnalité très attendue pour les paysagistes, les photographes de nuit est une amélioration de la fonction Bulb. La fonction Bulb était limitée soit à 30 secondes, soit il fallait utiliser une télécommande externe pour atteindre des pauses de 5 minutes, 10 minutes, etc. Le A7R 5 introduit une fonctionnalité où on peut régler la durée maximum. Le A7R 5 introduit donc un paramétrage du mode Bulb qui permet d'aller par exemple jusqu'à 900 secondes, donc 15 minutes de pause longue, et donc plus besoin de télécommande externe. Les 61 millions de pixels sont parfois un peu trop pour de la photographie de famille ou de voyage. Le A7R 5 introduit finalement la possibilité d'avoir trois tailles de RAW, small, medium et large, qui permet pour certaines utilisations où les 61 millions de pixels sont largement superflus, de prendre une taille plus petite tout en utilisant la totalité du capteur. Un menu additionnel qui reprend les réglages principaux, soit de photo, soit de vidéo, est également disponible et permet une meilleure ergonomie. La fonctionnalité Pixel Shift a également été largement améliorée. Elle permet maintenant d'utiliser la stabilisation. Comme on peut le voir sur ces deux photos, l'amélioration apportée par le Pixel Shift apporte un vrai plus pour certaines photos type architecture, reproduction d'œuvres d'art, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre le A7R 5, ses nouveautés, et vous aidera dans votre choix de boîtier Sony. Merci, au revoir.